Got my swag, got my cool, got my dough, and I got a black leather Benz, that's a long design. Rolling like a boss, rolling, rolling like a boss, rolling like a boss, rolling, rolling like a boss, 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 boss. I don't pay cover charge, I don't wait. Allez, salut à tous les gens, c'est Amrak. Aujourd'hui, on se retrouve sur la Wii. Et oui, la Wii, tellement, tellement jouée. Il y a des très bons jeux comme, comme Spectrum Origins que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Donc, il est possible que vous entendiez un petit écho parce que j'ai une oreillette dans, dans l'oreille, justement. Parce que je peux pas, enfin, j'ai pas trouvé le moyen de. D'enregistrer ma voix et d'avoir mon casque sur les oreilles en même temps d'écouter la Wii. Puis de toute façon mon casque il se branche pas sur la Wii. Ah si, peut-être, ouais. Non non, je pense pas qu'il se branche sur la Wii. Si, il se branche sur la Wii, c'est pas grave, on s'en fout. Donc on se retrouve sur Spectrum Origins. Donc je vais faire des vidéos qui durent à peu près 20 minutes sur ce jeu. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc là vous auriez vu l'installation que je fais. C'est complètement n'importe quoi. Alors, on va mettre... Allez, Amrak, vas-y. Petite voyelle. Donc, vous m'excuserez, ça fait bien longtemps que j'ai pas joué à... ce jeu. Donc, je suis un peu démuni. Pareil, j'ai pas joué à la Wii depuis longtemps, d'ailleurs. Ça fait un peu... bizarre de rejouer avec cette Wii, quoi. Donc voilà. Allez, partie sauvegardée. On commence. Donc je vais me taire. Je crois bien qu'il y a la première cinématique. Enfin, il y a déjà pas mal de cinématiques au départ. Donc je vous parle pendant ce chargement, mais je vais me taire juste après. Voilà tout. Spectrum a un très bon jeu, d'ailleurs. Un terrible danger menace de détruire le système de Nanairo tout entier. Les trolls se rassemblent. Ils reviennent plus forts que jamais. Ces monstres ont déjà anéanti d'innombrables civilisations et détruit des planètes entières. Nous avons malheureusement peu d'informations sur leur chef. Hormis son identité, son nom est Krugs. À toutes les unités de patrouille cosmique de Nanairo, ici le commandant Grant. Les trolls tentent d'utiliser nos portails contre nous. Vous avez l'ordre de défendre les portails de Nanairo par tous les moyens nécessaires. Gina, interrompez ce que vous êtes en train de faire et rejoignez immédiatement le portail du secteur W. Chef, si je peux me permettre, c'est un secteur à priorité mineure. Oui, en apparence. Mais je viens d'apprendre qu'une étrange anomalie magnétique y a été détectée. Il n'y a peut-être aucun rapport avec les crawls, mais je ne veux pas prendre le moindre risque. Comptez sur nous! À vos ordres, chef. Chef, cette anomalie du secteur W... son niveau devient risqué. Nous devons rappeler à l'aide et... Ce ne sera pas nécessaire. Mais chef... C'est important. Nous devons découvrir son origine. Ils s'en sortiront parfaitement, croyez-moi. Faites simplement votre travail. Comme Ainu, espèce de glouton. Tu aimes bien qu'on s'occupe de toi, hein? Ok. On arrive au secteur W. Qu'est-ce qu'on fait là, d'abord? Y a rien du tout, c'est sûr. Le commandant s'inquiète pour rien, vraiment. Je ne vais pas m'en plaindre. Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? J'en sais rien. Les instruments se sont déréglés dès qu'on... Ah! Le portail est en train de nous aspirer! Quoi? Qu'est-ce qu'on est là?
dans le système de Nanairo, ça c'est sûr. Cette planète ne me dit rien du tout. Et toi? Non plus. Mais bon, le vaisseau semble intact. Rentrons au QG, Gina. Il y a des macaronis au menu ce soir. Ralen, s'il te plaît. Sans données sur cette planète, impossible de savoir où est Nanairo. Alors, si tu as une idée, c'est le moment de m'en parler. C'est toi la navigatrice, pas moi. Il me faut un point de référence. Sans ça, pas moyen de rentrer chez nous. Attends, tu rigoles là? On est perdu? Tu fais quoi? T'essaies de me faire peur, c'est ça? Non, non. On est vraiment perdu. Dans l'espace. Ah, super! Il doit bien y avoir une solution. Tu sais ce que disait ma mère? Surtout, n'hésite jamais à demander ton chemin. Bonne idée. À un petit détail près, il n'y a personne ici, Ralen. On est tout seul. Ici, peut-être. Mais ailleurs, qui sait? En fait, je crois que je capte quelque chose. Une transmission. Allô? Il y a quelqu'un? Ceci est un SOS de Witera. Aidez-nous! Une gigantesque armée de Krolls nous attaque! Les Krolls! Nous n'avons pas les moyens de nous défendre! Nous nous sommes réfugiés dans les ruines! Si vous nous entendez, venez à notre secours! Ouais, il faut qu'on aille les aider, sinon c'est au Krolls qu'on devra demander notre chemin. Bon, j'ai repéré l'origine du signal. Ok, en route. C'est parti. Donc voilà. Donc Ralen un peu toujours à cri un peu partout, franchement c'est... Je laisse encore d'ailleurs. Non, je crois bien qu'il n'y a plus de cinématique. Bah vous verrez bien. C'est bizarre, je ne vois rien d'anormal. Pourtant je suis certaine que le signal provenait de ce secteur, je ne me suis pas trompée. Hey, qu'est-ce qui te prend? Attends un peu! T'emmène-nous, reviens ici! Wow! Les Krolls! Je parie que le signal vient de ces ruines. Viens, on va voir. Ok. C'est parti! Tu l'es écouté! Attends un peu! Hey, qu'est-ce que... Pourquoi ça marche pas? C'est quand tu veux, Ralen. On a un gros problème. Mon prismode, il fonctionne pas. Je peux pas invoquer le spectrum. C'est ça, très drôle. Bon, si tu pouvais te dépêcher, Ralen, on n'a pas de temps à perdre. C'est vrai, Gina, il marche vraiment pas. C'est pas une blague. Quoi? Me dis pas que tu l'as cassé. Non, je sais pas. Oh non, Ralen, regarde, comme à Inu. Vilain Komainu, reviens! Et plus vite que ça! Donc voilà, donc je disais, Ralen a un gars toujours à crier un peu partout et Duna à le remballer, on va dire, à peu près, voilà, tout ça. Donc je vais peut-être vous lire ce qu'ils se disent, on va dire. Hey, attends, reviens! Qu'est-ce qui lui prend à Komainu? Il n'y a qu'une façon de le savoir, il faut descendre et vite. Donc là, je vais reprendre un petit peu le jeu, hein, donc excusez-moi hein, si je suis pas très à l'aise encore, là. On peut descendre par ici. Non, c'est vrai, sans blague. Ouais, déplacement, non, c'est vrai, je l'avais pas remarqué. Oui, voilà. Bon, alors, déplacement... Ah, c'est vrai, on vise pas du tout dans ce jeu-là. Donc A c'est pour frapper il me semble. Et B... Oh je sais plus, je vais voir, normalement il y a le didacticiel. Qu'est-ce qu'on fait Ralen? Cet endroit grouille de Krolls, mais nous devons atteindre l'entrée des ruines. Ça craint, on n'a aucun moyen de les combattre pour l'instant. Alors on va devoir éviter leurs attaques et courir très très vite.
Bon, les dialogues sont un peu, on va dire, enfantins, mais c'est vrai que c'est un jeu qui date un peu, hein. Quand même. Mais cassez-vous, bande de crawl. Oh putain, les enfoirés. Ils sont vraiment lents, par contre, ces imbéciles. Ruine du sanctuaire. Eh ouais. Donc là, rien qu'avec toutes les cinématiques, ça fait déjà une dizaine de minutes, les gens, c'est vraiment basé sur les cinématiques, ce jeu. Franchement, les cinématiques sont vraiment bien, quoi. Bon, je me tais. Bah, un peu mon neveu, qu'on est venu pour vous aider. Je m'appelle Rades. Qui êtes-vous? Tout ce que je peux dire, c'est que vous n'êtes pas de ce système. Nous sommes de la patrouille cosmique de Nanaero. Je m'appelle Gina. Et moi, Ralen, c'est vous qui avez envoyé l'appel de détresse? Oui, notre village a été attaqué par des crawls. Nous nous sommes réfugiés ici dans les ruines du sanctuaire. Pauvres gens, Ralen, allons leur parler, nous découvrirons peut-être quelque chose. D'accord. Voilà, faut que je parle à des gens, franchement, c'est vraiment nul. Hein. Oui, A pour parler, non, c'est vrai, je savais pas, enfin... C'est vrai, d'habitude, j'utilise Z. Non. Notre planète s'appelle Witera. Il paraît que vous venez d'une planète lointaine, hors du système de Kaio. Les crawls attaque régulièrement à quelques décennies d'intervalle, personne ne sait pourquoi. À chaque fois, les nôtres périssent par centaines, et là, on dirait que ça va recommencer. Mais non. Non, pas lui, j'ai déjà parlé, lui. Les crawls, ces monstres ont détruit notre village sous nos yeux. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas. C'est génial. Il paraît qu'autrefois un maître des spectropes protégeait Witera des crawls, mais c'était il y a bien longtemps. Le plus étrange, c'est qu'il n'existe que très peu d'informations à son sujet. Oui, ça j'en avais remarqué dans le jeu. C'est un jeune spectrobe. Waouh, alors il existe pour de vrai? Non, je pense pas qu'il existe pour de vrai. J'ai horreur de rester caché à ne rien faire, mais nous sommes démunis face au crawl. J'avais pas remarqué. Hein. Sauvez-nous, c'est bien. Comprenez-vous la terrible situation dans laquelle nous nous trouvons? Jeune maître des spectrobes, nous sauveras-tu de ce terrible sort? J'aimerais vous aider, mais je ne peux pas invoquer de spectrobes en ce moment. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça, suivez-moi. Donc là, c'est là qu'on va recevoir notre Prismode, qui ne marche que sur cette planète. Donc un verre pour Ralen et un verre pour Gina. Nous nous transmettons à travers les âges. On l'appelle Cosmolien. Cosmolien ? Dans le système de Kaio où vous vous trouvez actuellement, c'est l'outil indispensable du maître des spectres. Celui qui le possède devient capable de contrôler tous les spectropes de notre système. Wow! Son usage est soumis à deux conditions. Vois-tu, son utilisation n'est pas chose facile, même pour un jeune homme accompli comme toi. Tu dois d'abord faire tes preuves dans la chambre des défis. Et ensuite, choisir un partenaire. Sais-tu pourquoi? Car le pouvoir unique du Cosmolien repose dans la confiance entre deux âmes. La confiance? Deux âmes? Excuse-moi, j'oublie que tu n'es pas d'ici. Mais c'est très simple. Tu dois choisir un partenaire en qui tu as toute confiance. Et je le trouve où? Sans vouloir paraître présomptueux, n'aurais-tu pas déjà un tel partenaire? Ha 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 ha.
Ça me fait marrer. Voilà, donc là on a reçu le Cosmolien, je suis désolé, c'était pas le Prism Mode, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc dans ce jeu, il faut savoir une chose, c'est que à chaque unité de sauvegarde, en fait, on peut changer de personnage. Par exemple, on peut jouer le rôle de la fille, quoi, en fait. Et c'est assez sympathique. Donc là, on va faire donc la chambre des défis, donc là, ça permet d'XP à mort, quoi. Alors, le temps d'apprendre SMS, je vais couper. Attends deux secondes. Et voilà, merci. Qu'on me dérange pas, bordel. Il est temps d'apprendre à te battre. Attendez, quand les crawls apparaissent, un spectrope de combat est invoqué, tu te bats à ses côtés. Eh oui. Si le spectrope perd tous ses PV, le suivant vient le rattraper. Commençons par apprendre à utiliser le machin. Appuyer sur le bouton A pour frapper. Oui, c'est bien ce que je pensais. D'attaquer avec ton épée. Ah oui, avec en secouant la manette, on peut envoyer le mec partir là-bas. Maintenant, voyons comment. Voilà. Donc ça, pour ça, faut frapper. Voilà, faut envoyer la manette. Maintenant, on va t'attaquer. Voilà, c'était simple, c'est plus simple comme ça, bien joué. Maintenant, voyons comment combiner tes attaques et celles de ton spectrobe. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle de ça. Donc après avoir donné les trois coups, on envoie le spectrobe. Ouais, ça c'est sympa aussi. Excellent travail d'équipe. Chaque spectrobe a sa propre attaque combinée. Lorsqu'ils atteignent un certain niveau, cette attaque devient encore plus puissante. Envie d'essayer une technique plus compliquée. Nous allons parler des attaques ciblées. Maintiens le bouton C et pointe l'écran avec la télécommande Wii et place le curseur sur un crawl et appuie sur le bouton A pour verrouiller la cible. Donner l'ordre d'attaquer peut pour que ton spectrobe frappe l'ennemi verrouillé. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Ah, et puis en attendant, moi je peux taper l'autre, quoi. Ouais, je m'en rappelle de ça aussi. Alors, simple comme bonjour, pas vrai? Ah, oh, mais j'utilise rarement en fait ça. Parce que j'envoie mon spectrobe tout le temps n'importe où. Voyons maintenant comment changer de spectrobe en combat. Z et la croix. Oui, je m'en rappelle. Mais oui, essayez de changer de spectrobe. Voilà. Et hop, vas-y, va le massacrer. Eh, hey, je dis massacre-le. Voilà. Excellent, maintenant applique tes techniques que tu viens d'apprendre pour vaincre les crawls. Continue de t'entraîner pour t'améliorer. Je combine un peu tout, là, je suis en train d'appuyer comme un malade sur les boutons, j'espère que ça s'entend pas beaucoup. C'est assez sympathique, hein, quand même, hein, comme jeu. Donc les gens, encore 5 minutes et puis je vous laisse. Parce que je pense que 20-25 minutes, c'est la durée idéale. Bien joué, jeune maître des spectropes, tu maîtrises le Cosmolien. Maintenant, élimine les crawls à l'extérieur. N'oublie pas que chaque seconde compte. J'ai peur que les ruines du sanctuaire ne tiennent plus longtemps. Plus très longtemps. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Allez, Ralen, on a du boulot. Bien dit, Gina. Écoutez,
Faut savoir que c'est un jeu japonais à la base, je pense. Oui, c'est un jeu japonais, donc logiquement, évidemment, il y a des répliques japonaises. Donc là, on va me donner des potions. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. J'aimerais faire plus, mais prenez ceci. Déjà ceci. Voilà, alors c'est des boulettes de riz. Les boulettes de riz servent vraiment à faire des... à récupérer de la vie, en fait. Ce ne sont pas des boulettes de riz ordinaires. Elles restaurent les points de vie. Pensez à en manger une quand vous commencez à manquer de PV. Et surtout, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Je déconne. Je sais plus comment on les attribue. Merci, vous savez ce qu'on dit. Ne jamais battre sans vie. Je sais plus. J'ai pas vu, j'ai pas lu. Alors, bouton 1. Ah oui, bouton 1 pour utiliser, c'est vrai. Et hop, on y va. Ah oui, il y a une unité de sauvegarde aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on combat un machin. Un point de sauvegarde. Oui, ils sont très faciles à repérer. En plus, en toucher un, restaure les PV. Et oui, c'est bien. Ils sont là-bas. Bon, alors tu te casses. Donc pour restaurer les APV, vous avez juste à passer dessus. Et pour sauvegarder, vous appuyez sur A dessus. Et là, vous pouvez changer de perso, comme je vous l'ai dit. Après, il y aura plus d'options, bien sûr. Oui, continuez à jouer, bien sûr. Donc là, je vais aller battre les crawls dehors et je vais vous abandonner. Je vais revenir dans les ruines et je vais sauvegarder. Et puis après, je vous abandonne. Donc ce sera un épisode de 20-26 minutes à peu près, le temps que je massacre tous ces crawls de merde. Hop, on y va. On est parti. Oui, je sais. Putain. Bon, le truc, c'est que tu mets 50 ans à arriver. Voilà, ma petite technique, en fait, c'est de massacrer un gars à l'épée, puis j'envoie mon machin, enfin, mon spectre le tuer. Et c'est vraiment la technique la plus efficace pour moi. Donc là, vous voyez derrière, dans le fond, là, putain, enculé. Ah, putain, enculé. Désolé si je dis plein de gros mots dans cette série, mais c'est vrai que ça va être vraiment basé sur vraiment que du combat la plupart du temps. Donc bon, après, il y aura un petit peu d'exploration, comme je disais. Le rond, vous voyez, ça viendra par la suite. Faut juste avoir les bons spectrums, en fait. Et là, je les ai pas pour le moment, donc voilà, faudra attendre. Et d'ailleurs, j'ai même pas encore le droit de le faire. Je vous laisse à la discussion. Reste auprès de moi. N'hésite pas si t'as besoin de conseils. Je te ferai profiter de mon expérience. Non merci, ça ira. Très bien, comme tu veux. Vous êtes vraiment fantastique. Comment puis-je vous remercier? Pas la peine, c'est notre boulot. De retour chez nous enfin. L'air pur de mon village m'a tant manqué. Voulez-vous venir aussi? Vous nous feriez un grand honneur. Et de plus, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Donc voilà, je disais, je vais bientôt vous laisser. Là, je vais aller au village, peut-être. Je crois bien qu'il y a une unité de sauvegarde en plein milieu. Bon, il y a pas mal de cinématiques, donc... ouais, je pense que ça va faire, en fait, un épisode de 30 minutes, plutôt. Votre village, les... Les crawls. Je suis navré, Radez. Oh, les saletés. Non, c'est Radez. Ne se tireront pas comme ça. Mon peuple a été épargné. Et c'est l'essentiel. Mais après une telle catastrophe, ils auraient bien besoin qu'on leur remonte le moral. Ils seraient sûrement ravis de vous rencontrer, vous les héros qui leur ont sauvé la vie. Pas de problème. On est toujours prêt à rendre service. Parfait. Faites comme chez vous. Visitez, parlez aux gens. Ensuite, venez chez moi. J'habite au bout de ce chemin. D'accord. À tout à l'heure, alors. Allons jeter un coup d'œil au village. Bonne idée, on verra si tout le monde va bien. Après ça, on pourra retourner voir Radez. Je vais dire Radez maintenant. Bah, il se peut que dans l'histoire, je puisse dire que Radez ou... Ouais, voilà, que Radez, en fait. La plupart du temps, je vais dire ça. Donc, notre village, c'est un endroit. Cet endroit s'appelle le village fortifié. On suppose que ce nom vient
du fait qu'il est bâti comme une forteresse, comme pour protéger quelque chose. Et il semble que ce quelque chose soit le cosmolien que vous avez là. Lol. Non, c'est vrai? Je pense pas, moi. Bon, dans quelques temps, la ville sera rétablie. Donc, je vais sauvegarder là, les gens, mais je vais vous laisser. Pour ce premier épisode, vous avez vu un peu l'esprit du jeu, en fait, qui est assez simple. Assez simple. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette unité de sauvegarde. Non, en fait, je vais peut-être pas vous laisser sur cette unité de sauvegarde. Je vais revenir au menu principal, voilà, c'est une très belle image de fond. Voilà, donc, allez, salut.